El amor. L'amour. Repita conmigo. Amor. Répétez après moi. Amour. Amor. Amour. No le tenga miedo a esa palabra. N'ayez pas peur à ce mot. Amour. El mundo lo ha confundido, la palabra. Le monde l'a confus ce mot. La palabra amor. La parole, le mot amour. Es el Dios mismo. C'est Dieu même. Lo dice en el libro de Juan. Et c'est écrit dans le livre de Jean. Creo que es el libro de Primera de Juan, si no me equivoco. Je crois que c'est dans le livre de Premier de Jean, si je me trompe. ¿Saben pas. El amor? Vous savez, et l'amour. Es lo más importante que puede haber en nuestras vidas. C'est ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Y quiero yo compartirles. Et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous, antes de que empecemos con la palabra, avant de commencer avec la parole, una pequeña canción, une petite chanson que ahorita la vamos a poner en la pantalla para que la vean, qu'on va la mettre bientôt sur l'écran pour que vous la lisiez, que se llama Cuánto te ama, qui s'appelle Combien on t'aime, combien il t'aime, combien il t'aime. Saben, ese ruido, los que tengan celulares apáguenlo porque alors, se reciben todas las señales. Ceux qui ont vos portables allumés, s'il vous plaît, éteignez-le parce que ça fait de la résonance. Porque son micrófonos inalámbricos y capta todas las señales. Entonces tendremos este ruido. Alors on aura souvent ces petits bruits comme ça. ¿Y saben por qué? Porque en la presencia de Dios no va a haber celulares. Et vous savez pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, il n'y aura pas de portable. No hay celulares. Il n'y a pas de portable. No hay distracción. Il n'y a pas de distraction. Hay Dios y yo. Il n'y a que Dieu et moi. ¿Saben? Esta canción dice cuánto te amo. Savez, cette chanson ama. Dit combien il t'aime. Y quisiera que hoy. Et j'aimerais qu'aujourd'hui. Revisáramos. On puisse regarder. Esa letra. Cette lettre. Esa canción. Cette chanson. Para que analizáramos lo que dice. Okay? Pour pouvoir analyser ce qui est écrit. ¿Me la pones un poquitico más baja de volumen la canción? Analicen la letra. Analysez cette écrite, cette lettre. Este va a ser el fundamento de la palabra de hoy. Celle-ci sera le fondement de la parole d'aujourd'hui. Hermoso es aquel mensajero que anuncia el camino a la paz, llevando tu ser a encontrar la verdad de la salvación. Pero ¿quién ha creído a la verdad? Sobre quién se manifestó el poder y el amor de Dios. Hermoso es aquel mensajero que anuncia el camino a la paz, llevando tu sed a encontrar la verdad de la salvación. ¿Quién ha creído a la verdad? ¿Sobre quién se manifestó el poder y el amor de Dios? Despreciado entre los hombres. Desechado varón de dolores, no hay en él ninguna hermosura, ningún atractivo para que le deseemos. Escondimos de nuestro rostro, menospreciado fue y no lo estimamos.
cuánto te ama Jesús, cuánto te ama. Combien il t'aime, Jésus. Has pensado cuánto te ama Jesús? As-tu déjà pensé à combien il t'aime, combien t'aime Jésus? Realmente hemos pensado qué es el amor de Dios. Réellement avons-nous déjà pensé ce que c'est l'amour de Dieu? O las situaciones de nuestra vida nos confunden. Ou est-ce que les situations de nos vies nous confondent? Vous savez, la letra de esta canción, la lettre de cette chanson, dice que no hay motivos. Il est écrit qu'il n'y a aucune raison. Nada por lo que hayamos hecho nosotros. Rien de ce qu'on puisse faire nous-mêmes. Nada de lo que hemos vivido. Rien de ce qu'on a pu vivre. O vayamos a hacer. Ou qu'on va faire. O hagamos. Ou qu'on fasse. Va a ser que Dios nos ame o no nos ame. Fera que Dieu nous aime ou il nous aime moins. Dios nos amó porque a él le plació amarnos. Dieu nous aime parce que il en a eu envie de nous aimer. Así como somos. Tel qu'on est. Con nuestros defectos. Avec nos défauts. Con nuestras grandezas. Avec nos grandeurs. Con nuestras debilidades. Avec nos faiblesses. Con nuestro poder. Avec notre pouvoir. Saben, el amor de Dios. Vous savez, l'amour de Dieu. Es Dios mismo. C'est Dieu même. Dice esa canción y dice la palabra de Dios. Cette chanson dit et la parole de Dieu dit que de tal manera amó Dios al mundo. Que Dieu a tant aimé le monde. Saben, el amor no es el amor que el mundo nos enseña. Vous savez, l'amour ce n'est pas l'amour que le monde nous enseigne. Sino es el amor que Dios nos mostró. Mais c'est l'amour que Dieu nous a montré. Y nos lo mostró a través del mismo. Il nous l'a montré à travers de lui-même. De Jesús. De Jésus. Saben, y la única manera de que nosotros podamos amar a Dios. Et vous savez, la seule façon qu'on puisse aimer réellement Dieu, es porque él nos amó primero. C'est parce que lui nous a aimé en premier. Suena fácil. Ça s'entend facile. Y a veces hasta no le prestamos atención. Et quelquefois même on prête pas trop attention. Que ya en el corazón de Dios. Que déjà dans le cœur de Dieu. Antes de la fundación del mundo. Avant le fondement du monde. Él ya nos amaba. Il nous aimait déjà. Y aún Jesucristo, amén. Et même Jésus-Christ, amen mon frère. En el mismo momento. Au même moment. De entregar su vida. De donner sa vie. Lo que le dio fuerza. Ce qui lui a donné la force. Fue el amor que vio. Ça a été l'amour qu'il a vu. El amor que él puso. L'amour qu'il a mis. En cada uno de nosotros. En chacun de nous. Por eso. Et c'est pour ça. Él fue a cumplir su misión. Il a été accomplir sa mission. Por amor. Par amour. Saben, y cuando entendamos lo que es el amor, vous savez, quand on comprendra ce que c'est l'amour, a veces nosotros nos preguntamos, quelquefois on se pose la question, ¿cómo hago yo para amar a Dios? Comment je peux faire pour aimer Dieu? ¿Cómo
¿Cómo puedo enamorarme más de Dios? Comment je peux tomber plus amoureux de Dieu? ¿Qué puedo hacer para que Dios me ame más? A veces decimos. Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu m'aime encore plus? Des fois on se pose cette question. Porque medimos el amor. Parce qu'on mesure l'amour. Por dependiendo las cosas que recibimos de Dios. Selon ce qu'on reçoit de Dieu. Dios no me sana, Dios no me ama. Si Dieu ne me guérit pas, alors Dieu ne m'aime pas. Lo que pasa es que el amor de Dios es más inmenso. Mais ce qui se passe, c'est que l'amour de Dieu est plus immense. El amor de Dios es la eternidad. L'amour de Dieu est l'éternité. El amor de Dios es la inmensidad infinita de la misericordia. L'amour de Dieu, c'est l'immensité infinie de la miséricorde. No es el momento preciso de un año, dos años, diez años, cincuenta años de mi vida. Ce n'est pas un moment précis d'un an, deux ans, cinq ans, cinquante ans de ma vie. Es el amor eterno que Dios nos tiene. Mais l'amour éternel que Dieu a envers nous. ¿Sabe? En Efesios. Vous savez, en Éphésiens, capítulo 2, verso 4, chapitre 2, verset 4, para que vean que no son mis palabras, comme ça vous ne voyez pas que c'est mes paroles, ni tampoco es lo que el escritor de esa canción, el compositor, quiso poner en la letra. Et non plus le compositeur de cette chanson a voulu dire. Fíjense lo que dice la Biblia. Regardez ce qui est écrit dans la Bible. Efésios capítulo 2, verso 4. Fíjense lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia. Alors regardez ce qui est écrit, mais Dieu qui est riche en miséricorde. A causa de su gran amor. À cause du grand amour. Con que él nos amó. Dont il nous a aimés. Saben, él nos amó Vous con savez, un gran amor. Il nous a aimé avec un grand amour. Y como hoy estamos hablando del amor. Et comme aujourd'hui on parle de l'amour. Para que haya amor. Pour qu'il puisse avoir de l'amour. Tiene que haber enamoramiento. Il doit avoir tomber amoureux. Tiene que haber una relación. Il doit avoir une relation. Para que si Dios me ama. Pour que si Dieu m'aime, porque yo no le puedo amar como alors me pourquoi ama. Je ne peux pas l'aimer de la même façon qu'il m'aime? Porque cuando yo me casé con mi esposa, parce que quand moi je me suis marié à mon épouse, cuando yo abrí los ojos y la vi, quand j'ai ouvert les yeux et je l'ai vue, cuando yo me enamoré de ella, quand je suis tombé amoureux d'elle, hice todo lo posible, j'ai fait tout ce qui était possible por estar con ella, pour être avec elle, por conocerla, pour la connaître, por salir con ella, pour sortir avec elle, por casarme con ella, pour me marier avec elle, y por acostarme con ella, et pour coucher avec elle. ¿Creen que la relación con Dios es diferente? Vous croyez que la relation avec Dieu est différente? Dios está esperando de nosotros, Dieu attend de nous, que lo conquistemos con nuestro amor, entre comillas. Qu'on le conquise avec notre amour, entre guillemets. Que lo busquemos todos los días. Qu'on le cherche tous les jours. Que le conozcamos. Qu'on le connaisse. Que veamos su cara. Qu'on voit son visage. Que sintamos su corazón latiendo en nosotros. Qu'on ressente son cœur battre en nous. Que sintamos sus manos en nuestro cuerpo cuando oremos. Qu'on sente ses mains dans notre corps quand on prie. Que veamos su presencia con nosotros cuando caminemos. Qu'on voit sa présence avec nous quand on marche. Pero eso, mais ça, se logra cuando hay una relación se réussit quand il y a une relation, pardon, de amor. D'amour. Yo les pregunto, je vous pose une question. ¿Alguna vez usted ha estado enamorado solo? Avez-vous déjà été amoureux tout seul? Sí. Oui, hein. ¿Y el novio no le hizo caso? ¿El muchacho no le hizo caso? Et le garçon, il vous a pas prêté attention? ¿Cómo se sintió? Comment vous vous êtes senti? Horrible. Horrible, hein. C'est horrible, pastor. C'est horrible, pasteur. Es horrible lo que siento. C'est horrible ce que je ressens. Quelle indifférence. Quelle indifférence. Ay, Dios mío, me duele el corazón. Ah, oh, mon Dieu, j'ai mal au cœur. Eso mismo en pequeño que sentimos nosotros. Cette chose aussi petite qu'on puisse ressentir. Pregunto. Je pose une question. ¿Usted puede creer que Dios la pueda sentir? Vous croyez que Dieu puisse ressentir la même chose? Que cuando en la mañana Dios está esperando ver su cara. Que quand le matin Dieu attend voir votre visage. Para que usted le diga buenos días, pour papá. Que vous lui disiez bonjour papa. Buenos días, Jesús. Bonjour Jésus. Buenos días, Espíritu Santo. Bonjour Saint-Esprit. Usted se levanta. Vous vous levez. Se cepilla. Vous brossez les dents. Come. Vous mangez. Y se va. Et vous partez. Y deja a Dios. Et vous laissez Dieu. Su enamorado. Votre amoureux. Plantado.
planté, abandonado. Abandonné. ¿Es que ustedes creen que Dios no tiene corazón? Mais vous croyez que Dieu n'a pas de cœur? Él siente. Il sent. Porque si usted cree que Dios es algo, parce que si vous croyez que Dieu c'était quelque chose, gazífero, hein? Gazífero, etéreo, gazifère, enfin, etéreo, éthéré, usted está equivocado. Vous trompez. Dios tiene manos. Dieu a des mains. Dios tiene pies. Dieu a des pieds. Dios tiene ojos. Dieu a des yeux. Dios tiene pensamientos. Dieu a des pensées. Dios tiene boca para hablar. Dieu a de la bouche pour parler. Lisez la Biblia, conozca Dios. Lisez la Bible et connaissez Dieu. Lo que pasa es que no nos enamoramos de Dios. Ce qui se passe, c'est qu'on ne tombe pas amoureux de Dieu. Porque no le conocemos. Parce qu'on ne le connaît pas. Porque si usted conociera a Dios realmente. Parce que si vous connaissiez Dieu réellement. Si usted conociera a Jesús realmente. Si vous connaissiez Jésus réellement. Si usted tuviera una relación realmente con el Espíritu Santo todos los días. Si vous aviez une relation réellement avec le Saint-Esprit tous les jours. Usted desearía estar todos los días en su presencia. Alors vous désiriez être tous les jours en sa présence. Porque la palabra de Dios dice que en su presencia hay paz. Parce que la parole de Dieu dit que en sa présence il y a la paix. Que en su presencia hay vida. Que dans sa présence il y a la vie. Que en su presencia hay sanidad. Dans sa présence il y a guérison. Que en su presencia hay sustento. Que dans sa présence il y a la provision. Que en su presencia hay cambio. Dans sa présence il y a des changements. Pero no logramos. Mais on le réussit pas. Tener esa relación con avoir Dios. Cette relation avec Dieu. Saben, el Señor quiere. Vous savez et le Seigneur veut. El Señor nos ama. Le Seigneur nous aime. Dice aquí en Efesios 2:4 que el Señor es rico en misericordia. Et il y est écrit ici dans Éphésiens 2:4 que le Seigneur est riche en miséricorde. Que él todos los días nos espera. Que lui tous les jours il nous attend. El amor de él no es como el nuestro. L'amour, son amour n'est pas comme le nôtre. Ah, como mi esposa hoy no me felicitó porque es mi aniversario. Ah, comme mon épouse ne m'a pas félicité parce que c'est mon anniversaire. Esta noche ella va a dormir en el sofá. Anniversaire de mariage, alors ce soir elle dormira sur le canapé. No. Non. Dios es distinto a usted y a mí. Dieu est différent de vous et moi. C'est toi qui dormiras dans le canapé. Saben, el amor de Dios es rico. Vous savez, l'amour de Dieu est riche. En misericordia. En miséricorde. Él está esperando todos los días. Il attend tous les jours. Todo momento del día. Tout, à tout moment du jour. Para entregarnos. Pour nous donner. Ese amor. Cet amour. Así que si nosotros no nos enamoramos. Alors si nous on ne tombe pas amoureux. Esa palabra me gusta, tomba. J'aime ce mot, tomber amoureux. Si usted no se enamora de Dios, si vous tombez pas amoureux de Dieu, es porque no queremos. C'est parce qu'on ne le veut pas. Porque Dios todos los días nos está esperando. Parce que Dieu nous attend tous les jours. Con su misericordia. Avec sa miséricorde. Con su gran corazón. Avec son grand cœur. Para inundarnos en él. Pour nous inonder en lui. ¿Saben? Vous savez. Yo quise buscar. J'ai voulu chercher. En comparación con mi relación con Zaira. Et en comparaison avec ma relation avec Zaira, y me imagino que cada uno de ustedes, et j'imagine que chacun entre de vous, pardon, que era lo que me impresionó de Zaira. Qu'est-ce qui m'avait impressionné de Zaira? Me imagino que el pastor Baudouin tuvo algo que le impresionó de María José. Que le pasteur Baudouin y a eu quelque chose qui l'a impressionné de Marie-José. Julissa abre los ojos así, me imagino que Julissa algo le impresionó de Javier. Julissa ouvre les yeux comme ça, mais j'imagine que Julissa elle a eu vu quelque chose qui l'a impressionné de Javier. Y cada uno de nosotros. Et chacun de nous. Es necesario. Il est nécessaire. Y hoy no le voy a hablar de regaños. No. Et aujourd'hui je vais pas vous respecter, non. 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 Eso ya el Señor cuando dice que hay que dar, pero cuando hay que là, hablar le de Seigneur, amor, da. Il, quand le Seigneur nous dit qu'il faut donner, mais quand il faut parler d'amour, il faut aussi pero parler saben, d'amour. El amor mais es vous disciplina savez, también. L'amour est aussi une discipline. Porque la Biblia dice que el padre que ama. Parce que la Bible dit que le père qui aime. Disciplina. Discipline. Pero nosotros. Mais nous. Necesitamos ser disciplinados en el amor con nous Dios. Avons besoin d'être disciplinés dans l'amour de Dieu. Necesitamos ser impresionados por Dios. On a besoin d'être impressionné par l'amour de Dieu. Y sabe por qué tú y yo no nos dejamos impresionar et por Dios. Savez pourquoi toi et moi on ne se laisse pas impressionner par l'amour de Dieu? Por orgullo, vanidad. Par orgueil, vanité. Porque hay muchas cosas que evitan. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui empêchent que el Señor nos impresione.
Que le Seigneur nous impressionne. ¿Saben? ¿El Señor todos los días le impresiona o no? Vous savez, le Seigneur, tous les jours, il vous impressionne, oui ou non? Ponme en el buró un momentico, hay una carpeta para que veamos el significado de impresión. Minimiza eso, por favor, Sebastián. Cherche-moi dans le bureau. Tiene que poner quitar, ok. ¿Saben? Impresionar. Vous savez, impressionner. Allá arriba dice una carpeta Pino Doc, la de aquí. Por favor. Entendí yo. J'ai compris, moi. ¿Qué es lo que ocurre en el amor? Ce qui se passe dans l'amour. No lo pongas en grande todavía. ¿Saben? El impresionarnos. Vous savez, nous impressionner. Es el secreto. C'est le secret. Del por qué nosotros no nos dejamos enamorar de Dios. Du pourquoi on ne se laisse pas tomber amoureux de Dieu. ¿Cuál es el significado de impresionar? Quelle est la signification d'impressionner? A mí me impresionó algo de Zaira. À moi, il y a quelque chose cuando qui m'a impressionné de Zaira. Ojos para enamorarme. Quand j'ai commencé à ouvrir mes yeux pour tomber amoureux. Oui. Oui. Cada uno de ustedes tuvo algo que recibió. Chacun de vous a eu quelque chose qu'il a reçu. Pero el mundo nos ha hecho confundir lo que es la impresión. Mais le monde nous a fait confondre ce qui est la impression. Le ha dado un significado distinto a la impresión. Il a donné une signification différente de ce que c'est l'impression. Y yo quise buscar en el diccionario lo que era la palabra impresionar o impresión. Alors, et moi j'ai voulu chercher dans le dictionnaire ce qu'était impressionner ou impression. Y me llevé una sorpresa. Et j'ai eu une belle une surprise. ¿Saben? No Vous lo pongo, savez, yo lo leo. Dice, il est écrit que impresionar, que impressionner es fijar vibraciones acústicas, fixer des vibrations acoustiques o luminosas, ou lumineuses, en una superficie, dans une superficie, de manera tal, de manière telle, que puedan ser reproducidas, de telle manière qu'elles puissent être reproduites, por procedimientos fonográficos, par processus phonographique ou photographique. Ou photographique. Wow. Wow. J'ai fait comme ça. Wow. J'ai fait comme ça. Wow. Saben? Vous savez? Necesitamos. On a besoin. Urgentemente. Avec urgence. Desde el más pequeño de la iglesia. Du plus petit de l'église. Hasta el más anciano de la iglesia. Au plus ancien de l'église. En edad física y en edad espiritual. Dans l'âge physique et dans l'âge spirituel. Necesitamos que el Señor. On a besoin que le Seigneur. Fije en nosotros. Fixe en nous. Vibraciones. Des vibrations. Auditivas. Auditives. Y visuales. Et visuelles. Para que mi vida. Pour que ma vie. Refleje. Soit reflète. Lo que Dios. Ce que Dieu. Impresionó en mi vida. A impressionné dans ma vie. Audiblemente. Par auditivement, phonétiquement. Y visualmente. Et visuellement. Cuando yo vi esa explicación. Quand j'ai vu cette explication. Yo entendí. J'ai compris. Nosotros necesitamos estar delante de la presencia del Señor todos los días. Nous avons besoin d'être devant la présence du Seigneur tous les jours. Todos los días. Tous les jours. Todos los días. Tous les jours. Para que el Señor pueda imprimir. Pour que le Seigneur puisse imprimer. Para que el Señor pueda impresionarnos. Pour que le Seigneur puisse nous impressionner. Para que nosotros seamos reflejo de Dios aquí en la tierra. Pour qu'on puisse être un reflet de Dieu dans cette église. Hay un pasaje en Efesios 3:17. Il y a un verset dans Ephésiens 3:17. Al 19. Un passage au 19. Que dice. Qui dit. Efésios capítulo 3. Ephésiens chapitre 3, versículo 17, verset 17 al 19. Au 19. Dice así. Il est écrit comme ça. Si quieres voy leyendo y tú vas leyendo de simultáneo, ¿okay? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. A fin de que arraigados y cimentados en el amor. Afin qu'en étant enracinés et fondés dans l'amour, el 18 dice, le 18 il dit, seáis plenamente capaces, vous puissiez comprendre avec tous les saints, comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur. Y el 19 dice, y de conocer el amor de Cristo. Et le 19 il dit et connaître l'amour de Christ. Que excede todo conocimiento. Qui surpasse toute connaissance.
Para que seáis llenos. No importa. En sorte que vous soyez remplis de la plenitud. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. De Dios. De Dios. Amén. Amén. Pónmelo desde el 7, Sebastián, por favor, desde el 17. Saben, tenemos vous savez, on doit a Cristo Jesús que a habita Cristo en nosotros. Jesús que habite en nous. ¿Sí o no? Oui ou non? Por la fe, ¿sí o no? Par la foi, oui ou non? Ay, Dios. Ay, ay, ay. Vamos a orar para que el Señor on va prier pour que le Seigneur permita que las personas aquí reciban a Cristo en su corazón. Pour que le Seigneur pour que les personnes le Seigneur les permette de recevoir Jésus-Christ dans leur cœur. Porque acabo de preguntar, Jesucristo habita en su corazón. Parce que je viens de demander est-ce que Jésus-Christ habite dans votre cœur? Amén. Amén. Como hoy es el día del amor. Comme aujourd'hui c'est le jour de l'amour. Que sea el amor de Dios que los que ce soit l'amour de Dieu qui vous fasse réagir. Cuando a mí me preguntan quand on me pose la question, ¿con quién estás casado? Avec qui es-tu marié? Yo digo Zaira. Moi je dis Zaira. Y cada vez que pronuncio Zaira, et à chaque fois que je prononce Zaira, mi mente ma explota, tête explose. Mi corazón vibra, mon cœur vibre. Y mi cuerpo se emociona. Et mon corps ¿saben por qué? S'émeut. ¿Saben vous por savez qué? Pourquoi? Porque estoy enamorado de esa mujer. Parce que je suis amoureux de cette femme. Oh, fille mignon. Ya no voy a dormir en el sofá esta noche. Je vais plus dormir dans le canapé ce soir. Pero saben, mais vous yo savez, digo, mais quand je le dis que usted tiene Jesucristo que en vous su corazón, avez Jésus-Christ dans votre cœur, no se emociona, vous n'avez aucune émotion, no siente nada, vous ne ressentez rien porque no está enamorado parce que vous n'êtes pas amoureux de Dieu. Lamentablemente. C'est malheureux. No lo tome como un regaño. Ne le prenez pas comme... Pero la Biblia, comme une punition, comme si je vous respectais, pero comme une Biblia reproche. Mais la Bible Cristo dit Jesús habite en nosotros, que Christ Jésus habite en nous. Y si Cristo Jesús habite en nosotros, et si Christ Jésus habite en 18, nous, por favor. Mais s'il te plaît le 18, fíjense que dice, regardez que ce qui est écrit, comprender. Qu'on pourra alors comprendre que cosa? Quoi? El largo, la largeur, alto, la longueur, ancho, la profondeur, la hauteur, todo. Tout. ¿Saben por qué no et vous savez pourquoi on ne comprend pas l'amour du Seigneur? Porque nosotros no estamos cimentados. Parce qu'on n'est pas cimenté. A duras penas hemos recibido al Señor. On a durement reçu le Seigneur. Y cuidado con lo que digo. Et faites attention avec ce que je dis. A duras penas recibimos al Señor. A duras penas, difícilmente, oui. Gracias. On a reçu le Seigneur. Pero aquí dice que tenemos que estar arraigados y cimentados en Cristo. On a eu beaucoup de mal déjà à recevoir le Seigneur dans notre cœur, mais il dit qu'on doit être enraciné avec Jésus-Christ. Tenemos que aprofundizar, on doit approfondir en lo que es el amor de Cristo. Dans ce qui est l'amour de porque Christ. La única manera de entender a mi Padre que está en los cielos, parce que la seule façon de comprendre à mon Père qui est dans les cieux, que Dios es amor, et que Dieu est amour, que Jesús es amor, que Jésus-Christ est que amour, que el Espíritu Santo es amor, que le Saint-Esprit que est él amour, es un solo Dios, que lui est un seul Dieu, y él es amor, et que lui est amour, y que él me ama, et que lui m'aime, y dejarme impresionar por et él, laisser m'impressionner par es lui, que el Dios humano que vino, c'est que le Dieu humain qui est venu y él tuvo que venir en carne y hueso, et il a dû venir en chair et en os para impresionarnos, pour nous impressionner audiblemente, auditivement y visualmente, et visuellement. Amen. Amen. Porque sinon la gente no le iba a creer parce que sinon les gens n'allaient pas croire en Jésus. No le iba a creer a Dios. Il n'allait pas croire à Dieu. Por eso él tuvo que venir a impresionar c'est a son pour ça pueblo. Qu'il a dû venir impressionner son peuple. A resucitar muertos. A resucitar des morts. A sanar enfermos. A guérir des malades. A sacar monedas de los pescados del agua. A sortir de la bouche des poissons des pièces. ¿Sí? Oui. Y a resucitar. Et à ressusciter. Eso es impresionar. Ça, c'est impressionner. Y la persona que fue impresionada por Jesús. Et la personne qui a été impressionnée par Jésus. Por el amor de Jesús. Par l'amour de Jésus. En él fluye el amor. En lui flue l'amour. Coule fluye l'amour. El amor con el mundo. L'amour du monde est fluide. No, fluye el amor de él con el mundo. Ah, son amour coule. Coule. Vers le monde. Vers le monde.
Saben, el amor de él fluye hacia los hermanos. Vous savez, son amour fait couler vers ses frères. El amor de él fluye en la iglesia. Son amour coule dans l'église. El amor de él fluye en su familia. Son amour coule dans la famille. El amor de él fluye en su vida. L'amour de Dieu coule dans sa vie. Y así, solamente así podemos dans votre vie. Et il n'y a que comme ça que vous puissiez aller vers... Impressionner. Et il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir impressionner les autres. Saben, solamente podemos ser llenos de la plenitud del amor. Vous savez, on va pouvoir seulement être rempli de la plénitude de son amour cuando conozcamos a la persona. Quand on connaîtra la personne. Si usted se acuesta con una mujer que no conoce, si vous couchez avec une femme que vous ne connaissez pas, usted está teniendo una relación sexual carnal, tipo gallina y gallo. Vous êtes en train alors d'avoir une relation sexuelle charnelle, comme un coq et une poule. C'est tout. Et c'est tout. Porque cuando está el verdadero amor, parce que quand il y a le véritable amour, se vuelve una sola carne, elles se font une seule chair, un solo sentimiento, un seul sentiment, una sola pasión, une seule passion. Pero si usted se acuesta sin esos ingredientes, mais amor, si vous couchez pasión, sans ces ingrédients, amour, passion et connaissance, es lo mismo que usted se va a un prostíbulo. Alors c'est la même chose que comme si vous alliez à un bordel. Es lo mismo. Hein? Une maison close. Por eso el Señor, et c'est pour ça que le Seigneur no quería que lo engañaran a él. Il n'avait pas envie qu'on lui mente, oui. Qu'on le trompe. Él juzgó mucho a su pueblo. Il a beaucoup jugé le peuple por adúlteros. Parce qu'ils étaient adultères. Pero no por adúlteros físicos, mais pas sexuales, par adultères physiques ou sexuels, sino por adúlteros espirituales. Mais parce qu'ils étaient adultères spirituellement. Porque le decían que estaban enamorados de Dios. Parce qu'ils disaient qu'ils étaient amoureux de Dieu. Pero su tiempo era para otros mais dioses. Son temps était pour d'autres dieux. El amor de Dios es todo. L'amour de Dieu est tout. Y como él lo dio todo, et comme il a tout donné, él quiere todo. Alors il veut tout. No? Non? Oui ou non? Oui ou pas? Y si oui Dios lo quiere todo, et si Dieu veut tout, él quiere que usted y yo nos presentemos. Alors il veut que vous et moi on se présente. Todos los días. Tous les jours. En sacrificio santo. En sacrifice saint. Perfecto. Parfait. Y agradable. Et agréable. Amén. Amen. Saben, el amor de Dios no juega. Vous savez, l'amour de Dieu ne joue pas. Saben, yo en Francia lo dije creo que en el estudio bíblico. Vous savez, moi en France, et je crois que je l'ai dit à l'étude biblique. Algo que nos está haciendo daño. Il y a quelque chose qui nous fait mal. A los cristianos y a nosotros los franceses. Aux chrétiens et à nous les français. Me declaro francés porque estamos en France. Je me déclare français parce qu'on est en France. Nuestro corazón está en Francia. Alors notre cœur est en France. La iglesia que el Señor estableció está en Francia. L'église que Dieu a établie est en France. Somos franceses. Est-ce qu'on est des français alors? Sí. Oui. Qué bueno, oui. Oui. ¿Y saben? Hay algo que nos está haciendo daño. Et vous savez, il y a quelque chose qui nous fait mal. Una frase. Et c'est une phrase. J'ai le droit. Tengo el derecho. J'ai le droit. Tengo el derecho. J'ai le droit. Yo tengo el derecho. Moi, j'ai le droit. Y nosotros. Et nous. No hemos entendido. On n'a pas encore compris. Que si yo me acerco a Zaira. Que si je m'approche vers Zaira. Y le digo, tengo el derecho que me cocines. Et je lui dis, j'ai le droit que tu me fasses à manger. Yo tengo el derecho que me sirvas. J'ai le droit que tu dois me servir. Yo tengo el derecho que me ayudes. J'ai le droit que tu m'aides. Yo tengo el derecho que me ames. J'ai le droit que tu m'aimes. No funciona así con Dios. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Con Dios funciona. Avec Dieu, ce qui marche. Yo la amo. Je l'aime. Yo le entrego. Je lui donne. Yo le sirvo. Je lui sers. Yo le cocino. Je lui fais à manger. Yo trabajo por ella. Je travaille pour yo elle. Yo la ayudo. Je l'aide. Aunque ella même si elle sea la mujer más despepitada del mundo. Soit la femme la plus espépitée del mundo. Es una palabra inventada. Non, je rigole, c'est un mot inventé par le pasteur. Donc même si c'est la pire des femmes. Voilà, ou la porque el amor de Dios. Voilà. Une femme fofolle. El amor de Dios. Parce que l'amour de Dieu es incondicional. C'est inconditionnel. No es como el del humano. Il n'est pas comme celui de l'humain. Entonces,
Et alors, el Señor me dice, le Seigneur me dit que él me compró, qu'il m'a acheté, que él me amó, qu'il m'a aimé, y con amor eterno me escogió, et qu'avec un amour éternel, y il que m'a le choisi, pertenezco a él, et que je lui appartiens à eso lui. Quiere decir que no tengo ce el derecho qui veut dire a nada con Dios. Que je n'ai aucun droit avec Dieu. ¿Saben, el día que yo entendí que con Dios, vous savez, le jour que j'ai compris qu'avec Dieu, tengo deberes, j'ai des devoirs, vinieron a mi vida las añadiduras espirituales. Alors c'est là où les añadiduras, las bendiciones espirituales adicionales. Les bénédictions spirituelles additionnelles sont venues à ma vie. Después de eso. Après ça. Porque cada vez que yo me acercaba a Dios. Parce qu'à chaque fois que je me rapprochais vers Dieu. Señor, yo voy el domingo a la iglesia y te doy el diezmo. Seigneur, moi je viens dimanche à l'église et je te donne la dîme. Porque tengo el derecho de la promesa que tú me diste. Parce que moi j'ai le droit de la promesse que tu m'as donnée. Tengo el derecho que tú abras las ventanas en los cielos. J'ai le droit que tu ouvres les fenêtres des cieux. Y que tú derrames bendición en mi vida. Et que tu fasses couler les bénédictions de ma vie. Non. Con Dios. Avec Dieu. Tengo deberes. J'ai des devoirs. Si después a él le place. Si après lui ça lui donne envie. Si después él decide. Si après lui décide. Darme la bendición. Me donner la bénédiction. Es problema de él. C'est son problème à lui. Si yo me acerco a mi pareja exigiendo. Si je me rapproche de mon couple pour lui exiger. ¿Cuántos de los hombres casados a veces le exigimos a nuestra pareja momentos sexuales que no estamos en el momento sexual sino que por carne lo hacemos? Combien d'entre nous, les hommes mariés, exigeons des moments sexuels avec notre couple quand ce n'est pas le moment de rapport sexuel et qu'on lui exige? Y nosotros los hombres le exigimos a la mujer. Charnellement. Et nous, autant qu'hommes, on lui exige. Y le exigimos que lo haga. Et on lui exige de le faire. ¿Y qué dice la mujer? Et qu'est-ce qu'elle dit, la femme? Rien. Nada. Porque así no se hacen las cosas. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Porque hay que pagar el amor. Parce qu'il faut payer l'amour. Hay que ser coquetos. Il faut être coquet. Sensuales. Sensuel. Bajar la luz. Éteindre la lumière. Bañarse. Se baigner. Cariñoso. Être câlin. Tierno. Tendre. Hablarles. Leur parler. Y después. Et après. Puede ser que llegue el sexo. Ça se peut que le sexe arrive. Il se peut que le sexe arrive. Esa es la relación con Dios. C'est ça la relation avec Dieu. El pastor se ha vuelto loco, hermano. Le pasteur est devenu fou, mes frères. Cuando no nos regaña, nos habla de sexo en la relación con Dios. Quand il ne respecte pas, il nous parle de sexe. Avec la relación con Dios. Avec la relation de Dieu. Pero Dios es un Dios de amor. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Y él quiere que usted y yo seamos. Et il veut que vous et moi on soit. Uno. Un. Y ser uno, et être un me, da la figura, me donne la figure de hombre, mujer, de homme et femme cuando se unen en Cristo Jesús, quand elles s'unissent en Christ Jésus, mon y Dieu, son uno. Et ils sont un. Y si Dios y yo quiere que seamos uno, et si Dieu et moi, on veut qu'on soit un, quiere decir que él quiere de mí una relación íntima, ça extrema, veut dire alors que lui veut une relation intime, extrême, total, total, a todo nivel, à tout niveau. Pero nosotros dosificamos. Mais nous on dosifie. La relación con Dios. La relation avec Dieu. ¿Saben? Vous savez? Hay muchos pasajes en la Biblia que habla de amor. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent d'amour. Hay uno en Romanos que me gustaría que lo buscáramos. Il y en a un en Romains que j'aimerais qu'on cherche. Que es en el capítulo 8:35 para que cerremos. Et c'est dans le chapitre 8:35 pour qu'on ferme après avec ça. No hemos entendido. On n'a pas encore compris. Que el que a buen árbol se arrima. Que celui qui s'approche au bon arbre. Buena sombra le cobija. Alors une bonne ombre va le protéger. Yo sé que la semana pasada causé revuelo. Hein? Yo sé que la semana pasada ocasioné mucho revuelo. ¿Pero qué revuelo? En francés no sé. Causé mucha euforia.
Alors, je sais que la semaine passée, j'ai causé beaucoup d'euphorie. Con la predicación que tuvimos el domingo avec pasado. La prêche qu'on a eue dimanche passé. Yo sé que fue, wow, fuerte. Je sais qu'elle a été wow, forte. Pero saben. Mais vous savez. Sería egoísta de mi parte. Ça serait égoïste de ma part. Como pastor. Autant que pasteur. Viviendo lo que yo vivo con Dios. En vivant ce que je vis avec Dieu, no los motive a ustedes, de ne pas vous motiver à vous, a que ustedes viven lo mismo con Dios. Que vous puissiez vivre la même chose avec Dieu. Yo puedo venir aquí como un asalariado, je peux venir ici comme un salarié, a decirles cosas buenas y bonitas, à vous dire de belles choses et jolies. Mi relación personal con Dios después la tengo yo. Et ma relation personnelle avec Dieu, après je l'aurai moi-même. Pero saben qué es el amor? Mais vous savez ce que c'est l'amour? Que lo que yo estoy viviendo, c'est que ce que moi je suis en train de vivre con Dios, avec Dieu. Quiero que donde venga Javier, je veux que quand Javier vienne y esté a mi lado, et qu'il soit à mes côtés, él viva lo mismo, il puisse vivre la même chose y él conozca lo mismo que et yo. Qu'il connaisse la même chose que moi. Yo, gracias, Javier. Gracias por el abrazo. Merci Javier pour yo ton sé que a veces les digo que quisiera ver a los niños, quisiera que las parejas, je sais que beaucoup de fois je vous ai dit j'aimerais voir les enfants, je voudrais que a les las couples parejas, quisiera que los que están alabando, je veux que ceux qui sont en train de louer dones, ou ceux qui ont des dons. Pero saben por qué? Mais vous savez pourquoi? Porque si yo voy, parce que si je vais y dejo los demás afuera, et je laisse les autres en dehors, soy egoísta. Je suis un égoïste. Por eso les quiero motivar. Et c'est pour ça que je veux vous motiver. Porque el que el buen árbol se arrima, parce que celui qui s'approche à un bon arbre, buena sombra le cobija. La bonne ombre va vous protéger. Léas el salmo, lisez le psaume que dice, qui dit que el que está bajo la morada del Altísimo, que celui qui est bajo la morada, bajo la sombra del Omnipotente, sous l'ombre de l'Omnipotente, el que está protegido por el paraguas de Dios, celui qui est protégé par le parapluie de Dieu, hermano, caerán mes mille frères, y diez mil, y en a mille et dix mille qui tomberont, y nada nos pasará, et rien nous arrivera. Eso que estoy viviendo yo, ce que je suis en train eso de vivre, que vive usted, ce que vous êtes en train de vivre, dígaselo a todo el mundo, dites-le à tout le monde, empezando por nuestros hogares, en commençant par nos foyers, empezando por nuestros amigos, en commençant par nos amis. Yo sé que cuando les dije quiero ver a sus amigos aquí, eso no iba a funcionar. Je sais que quand je vous ai dit je veux voir vos amis ici, ça n'allait pas marcher. Pero lo dije porque el Señor me mandó a decirlo. Mais je l'ai dit parce que le Seigneur m'a demandé de le dire. Y hay testimonio. Et qu'il y a un témoignage. Que el pastor obedeció la voz de Dios. Que le pasteur a obéi la voix de Dieu. Y dijo lo que Dios quería. Et il a dit ce que Dieu voulait que je dise. Porque a mí me interesa que ustedes vengan. Parce que moi ça m'intéresse que vous veniez. Non. 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 A Dios le interesa que usted venga. C'est à Dieu que ça l'intéresse que vous veniez. A usted le interesa venir por mí? À vous, ça vous intéresse venir pour moi? Están trompeados. Bah, vous êtes trompés. Están equivocados. Vous êtes vraiment trompés. Si ustedes vienen por mí, si vous venez pour moi, por la iglesia, pour l'église, se van a llevar una sorpresa, hermanos. Vous allez vous vraiment recevoir une surprise. Por eso el amor de Dios. C'est pour ça que l'amour de Dieu va más allá de la comprensión. Va au-delà de la compréhension. El amor de Dios, l'amour de Dieu, es conocer a Dios, c'est connaître Dieu, es saber que si estoy aquí, c'est savoir que si je suis ici, es para que la mente mía, c'est pour que ma tête, quede impresionada de la palabra de Dios, mes pensées restent impressionnées de la parole de Dieu, es para que lo que el Señor muestre, c'est pour que ce que le Seigneur nous montre, quede impresionado en el cuerpo de cada uno, soit impressionné dans le corps de chacun. Es para que lo que el Señor me diga, c'est pour que ce que le Seigneur me dise, quede impresionado en mis oídos, soit impressionné, reste impressionné dans mes oreilles et me protège. Porque ¿cuántos creemos que el amor de Dios protege? Parce que combien d'entre nous croient que l'amour de Dieu nous protège? ¿Quién nos separará del amor de qui Cristo? Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulación, ni les tribulations, la angustia, l'angoisse, la persécution, la el hambre, la faim. La desnudez, la nudité, los peligros, merci, les dangers, la espada, l'épée, les périls, la le muerte, péril, la mort, nada, rien. Por eso,
C'est pour ça. Donde voy yo? Où je vais? Donde está el amor de Dios? Où va l'amour de Dieu? Où est l'amour de Dieu? Primeramente quisiera que mi esposa y mi hija. Premièrement, j'aimerais que ma femme, mon épouse et ma fille. Y después mi familia. Et après ma famille. Y después mis hermanos. Et après mes frères. Y después los conocidos. Et après les connaissances. Estuvieran en la presencia del Señor. Soit dans la présence du Seigneur. Para que sean impresionados. Pour qu'ils soient impressionnés. Jóvenes. Jeunes. Maridos. Mari. A mí me importa un bledo si usted está aquí o no está aquí. Je m'en moque complètement si vous soyez ou pas ici. Y se lo dije a mi hija, si usted se quiere ir, se va. Et je l'ai dit à ma fille, si tu veux partir, pars. Pero cuando ella sea libre e independiente. Mais quand elle sera libre et indépendante. Pero si se quiere ir y ella me lo dice, yo la respetaré. Mais si elle veut partir et elle me le dit, je la respecterai. Pero mientras yo pueda. Mais tant que je vais pouvoir le faire. Haré que el Señor la impresione. Je ferai que le Seigneur l'impressionne. Porque a mi hija. Parce qu'à ma fille. No me la va a impresionar el mundo. C'est pas le monde qui va l'impressionner. Me la tiene que impresionar Dios. C'est Dieu qui doit me l'impressionner. Si Dios tiene otro plan. Si Dieu a un autre plan. Que se vaya al mundo. Alors qu'elle parte dans le monde. Porque puede ser que mi hija no vaya a ser salva. Parce que ça se peut que ma fille ne soit pas sauvée. Usted sabía eso, ¿no? Vous saviez ça ou pas? No se caiga coba de que usted y su familia, yo y mi familia. No, 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 no. Arrêtez de croire à ça, non. Que vous et votre famille, non, 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 vous serez sauvés. Non, non, non. La salvación es personalísima. Le salut, c'est personnalisé. Personnel. Individual. Individuel. Y voluntario. Et volontaire. Suficiente. C'est suffisant. Hasta ahora mi hija me ha dicho. Que la puedo seguir obligando a venir. Jusqu'à maintenant, ma fille m'a dit que je peux continuer à l'obliger à venir. Hasta que ella me diga que cree en otro Dios. Jusqu'au jour qu'elle me dise qu'elle croit en un autre Dieu. Y Dios me muestre que ella no es para la salvación. Et que Dieu me montre qu'elle ne sera pas destinée con au salut. Dolor y temor y temblor, avec toute ma douleur, trembleur et crainte, je la laisserai partir. Pero mientras tanto, mais en attendant, lucharé. Je lutterai hasta la muerte. Jusqu'à la mort. Para que el Señor te impresione. Pour que le Seigneur t'impressionne. Porque mi hija está a un paso que el mundo le impresione. Parce que ma fille, elle est un pas pour que le monde l'impressionne. Elle est un mi hija está a un paso de yo perderla para Cristo. Ma fille, elle est un pas pour que je la perde pour Christ. Y si hablamos en términos de amor. Et si on parle dans les définitions d'amour. Amor en la eternidad. Amour dans l'éternité. Porque nosotros tenemos la mente finita. Parce que nous on a la tête finie. Puede ser que mi hija no haya entendido lo finito. Peut-être que ma fille n'a pas compris encore ce qui est dans le fini. Puede ser que un familiar mío no entienda lo finito. Peut-être que un de mes familles de mes familiers ne comprennent pas le mot fini. Pero la eternidad. Mais l'éternité. Separados del amor de Dios. Séparés de l'amour de Dieu. Es lo peor que puede haber. C'est le pire qui puisse avoir. Porque es el infierno. Parce que c'est l'enfer. Hija mía, ma condenación. Fille, la condamnation. Por eso tu padre y tu madre. C'est pour ça que ton père et ta mère. Luchamos en oración. On lutte en prière. Y estaremos motivándote, arrastrándote, instruyéndote y cayéndote a palo. Et on sera là à te motiver, t'instruire et te frapper para que vengas pour que tu viennes Señor, à la présence du Seigneur. Hasta que ella me diga, jusqu'à ce qu'elle me dise quiero ser musulmana. Jusqu'à ce qu'elle me dise je veux être musulmane. Yo la acompañaré a la mezquita. Moi, je l'accompagnerai à la mosquée para que se vaya, pour qu'elle parte. Haga su confesión de fe en la mezquita, qu'elle fasse sa confession de foi à la mosquée y se pierda. Et qu'elle se perde. Pero yo le diré, mais moi, je lui dirai, me lavo las manos. Je me lave les mains. Pero nadie va poder decir, mais rien ne pourra, personne ne pourra dire que, yo no la intenté motivar, que je n'ai pas essayé de la motiver par tous les moyens. Porque aquí dice que nos van a separar del amor de Dios. Parce qu'ici il est écrit qu'ils vont nous séparer de l'amour de Dieu. Tribulaciones. Des tribulations. ¿Qué es una tribulación? Qu'est-ce que c'est qu'une tribulation? La tribulación no es el que maneja el piloto. La tribulation c'est pas celle que le pilote conduit. Esa es tripulación. Ça c'est tripulation. ¿Qué es tribulación? Qu'est-ce que c'est tribulation? ¿Ah? Pruebas. Pruebas, des épreuves. Sufrimientos. Souffrance. Ah? Es un caos interno. C'est le chaos interne.
Saben, en nuestras vidas va a haber tribulación. Vous savez, dans nos vies, il y aura des tribulations. Nos van a querer separar del amor del Señor. Et ils vont vouloir nous séparer de l'amour mundo, du Seigneur. La familia, le monde, la, la famille, la les, carne, l'éternité, los la, amigos, la chair, les amis. Pero nada. Mais rien. Si usted está impresionado por el Señor, si vous êtes impressionné par le Seigneur, usted, vous, usted, vous, usted, gracias. Vous, tiene que reflejar. Vous devez refléter lo que el Señor impresionó. Ce que le Seigneur vous a impressionné. Y para cerrarle, Jesús dijo. Et pour fermer, Jésus a dit. Nadie que dice que me ama. Personne qui dit qu'il m'aime. No hace y oye y obedece mis mandamientos. No hace. No hace, no oye, no obedece. Ne fait pas ou n'écoute pas mes commandements. Porque el que dice que ama a Dios, parce que celui qui dit aimer Dieu, y el que dice que el amor de Dios está en él, et celui qui dit que l'amour de Dieu est en lui, por lo menos, au moins, una vez, une fois, al día, par jour, tiene que buscar a Dios. Il doit chercher Dieu. Por lo menos, au moins, una vez al día, une fois par jour, tiene que leer las cartas de amor de Dios. Il doit lire les lettres d'amour de Dieu. Por lo menos, au moins, una vez al día, une fois par jour, tiene que leer, il doit lire las coqueterías que Dios les dice, les coqueteries que Dieu lui dit. Por lo menos, au moins, una vez al día, une fois par jour, tiene que dejarse acariciar por Dios, il doit se laisser caresser par Dieu. Por lo menos, au moins, una vez al día, une fois par jour, tiene que dejarse, il doit se laisser se soutenir par Dieu. Porque eso es el amor. Parce que c'est ça l'amour. Familia, Dios les bendiga. Famille, que Dieu vous bénisse. Amen. Qué fácil fue la palabra de hoy. Qu'est-ce que elle était facile la parole de Dieu aujourd'hui. Qué fácil fue el entender. C'était vraiment facile comprendre. Lo que hemos compartido. Ce qu'on a partagé.